Coucou les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance de ce joli mois de mai. Allons voir ensemble ce que ce mois de mai a à vous dire. Donc on va commencer les amis, si vous souhaitez, avec l'oracle de l'énergie de la mer. J'étais en train de chercher le titre, donc c'est l'oracle de l'énergie de la mer. Je vous mets là, juste ici les petits Gémeaux, et on va aller voir ensemble avec les cartes de l'énergie de la mer. Je vous lirai ce que cette énergie a à vous dire pour ce mois de mai, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, bah la carte n'a pas tardé à sortir. Oh, c'est très joli en plus. Vous avez l'évasion. L'évasion, les Gémeaux. Donc, vous avez envie de vous évader, les amis. Donc, on va aller voir ensemble. Nous allons aller voir d'abord l'énergie de cette carte. Je vais vous la lire, cette énergie globale. Et après, nous irons voir avec les fleurs de Bac, émotionnellement parlant, ce qui peut vous traverser pour ce mois de mai. Alors, déjà la carte, on a la carte numéro 5, les amis. Alors, qu'est-ce que veut vous dire cette évasion? Alors, difficile de continuer à évoluer si on reste dans l'environnement que l'on connaît par cœur. Il est confortable, mais nous avons besoin d'en sortir de temps en temps pour y revenir avec une sagesse toute neuve. Teste la nouveauté. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Ah bah, la zone de confort est comme une drogue. On y est bien. Et quand on veut autre chose, elle resserre les liens en essayant de nous faire croire qu'il serait douloureux de partir et que cela n'apporterait rien. C'est un mensonge. Tu as envie de tester autre chose, mais l'inconnu te fait peur. Tu entends là les voix contradictoires de ton âme qui tentent de te faire évoluer et de ton confort qui préfère que tu ne bouges pas. Mets toutes les chances de ton côté en t'évadant. Déconnecte-toi, change d'environnement, pars, tu ne perdras pas. Ce renouveau t'aidera à te recentrer et ces découvertes te feront mieux te connaître. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait en lien, cette sortie de zone de confort avec la pleine lune en scorpion que j'ai faite il y a 4-5 jours, je pense. Où vraiment la transformation nous demande de sortir de notre zone de confort, et ben c'est tout à fait ce qui vous est demandé, les Gémeaux, pour ce joli mois de mai, de sortir de votre zone de confort par l'évasion. D'accord ? On sent que vous êtes tenu par la peur de ne pas réussir ou la peur de... c'est simplement votre mental qui vous titille, qui vous dit « Oh non, attends, tu devras attendre un petit peu. » Donc, on va aller voir, émotionnellement parlant, ce que les fleurs de Bac peuvent vous apporter durant ce joli mois de mai, les amis. Allons voir avec les fleurs de Bac. Quelles émotions? Donc, on a la première carte pour vous, c'est la fleur numéro 1, la fleur d'agrimonie. Ok? Donc, c'est joli, hein, ce ton jaune avec cette très belle carte que vous avez sortie. Et on a Beach, d'accord? La fleur de Bac de Beach. On va aller voir, émotionnellement parlant, ce que ces cartes ont à vous dire, les amis. Ce que ces fleurs, plus exactement, ont à vous dire. On a la première fleur, donc d'agrimonie, que je vous rapproche encore. Qu'est-ce que vous dit cette fleur, émotionnellement parlant, au niveau du mental, au niveau négatif? Dans l'attitude mentale négative, cette fleur vous dit que vous essayez de cacher des pensées torturantes et une inquiétude intérieure derrière une façade d'entrain. Vous voyez, là, on est plutôt, ouais, c'est les bons moments, etc. Donc, vous passez des bons moments, mais c'est comme si c'était une façade d'entrain, ok? Mais que intérieurement, vous êtes plutôt torturé, ok? Donc, comme vous aimez vivre en paix et en harmonie, et on arrive vite à une détresse mentale, d'accord, du fait de sa mauvaise humeur et de la lutte. Donc, pour réprimer les pensées soucieuses et torturantes, vous avez recours des fois à des choses qui peuvent aller jusqu'à des trucs pas trop sympas comme l'alcool, des cachets, des choses comme ça. Agrimonie, c'est ça, hein. Quand on est agrimonie, c'est que c'est de l'harmonie
apparente. Okay? C'est vraiment, on met son masque social sur la tête. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout bien, mais quand je suis en société, je vais montrer que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas du tout. Okay? Donc, ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, en la prenant, hein, si vous prenez la fleur, je vais vous la sortir en flacon. Donc, la fleur d'agrimonie, c'est comme les huiles essentielles, sauf que les huiles essentielles ne se boivent pas du tout. À l'inverse de ces fleurs de Bac que vous mettez dans un petit verre d'eau, vous mettez 3-4 gouttes à raison de 3-4 fois par jour. Okay, faites confiance en votre intuition, et ce pendant 21 jours. Donc vous pouvez prendre Agrimony si Agrimony vous parle, si ce que je vous ai dit vous parle, c'est-à-dire de mettre votre masque social quand vous sortez, parce que vous ne voulez pas qu'on devine votre harmonie apparente, hein, parce que derrière se cache vraiment de l'inquiétude et des pensées torturantes. Donc, ce qu'elle va vous apporter, Agrimony, c'est que vous allez intégrer les dissensions de la vie, en fait. Hein. Vous allez les ramener à leur juste importance. Vous allez arriver à faire la part des choses. Agrimony va vous aider à passer ces pensées torturantes. OK? Donc, on va aller voir maintenant la fleur de Beach, ce qu'elle a à vous dire, cette fleur. C'est la fleur 3, pardon, des fleurs de Bac. Donc, Beach, elle, en fait, c'est que vous réagissez de façon hypercritique et intolérante. C'est-à-dire que vous avez en ce moment peu de compassion et de sympathie pour les personnes environnantes ou pour ce que vous vivez. En fait, vous pouvez même réagir en ce moment avec petitesse et entêtement dû à votre fort intérieur qui ne va pas, d'accord? Vous réagissez de façon disproportionnée à la critique, ok? Et par rapport aux circonstances. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour vous prendre un exemple, il y a des choses qui mériteraient vraiment pas de s'y attarder et vous, vous forcez le trait. Vous critiquez, mais vous forcez la critique de manière disproportionnée, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc naturellement, bah, on va s'isoler de ses congénères par une attitude trop critique vis-à-vis des autres. Voilà. Et ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, c'est de la compréhension. Okay? Vous aurez une attitude du coup de base plus tolérante, plus perspicace, plus en compréhension vis-à-vis des comportements humains. Okay? Donc vous réagirez de façon moins critique, plus tolérante. Voilà. Donc là, c'est la fleur de Beach, la fleur 3 des fleurs de Bac. Donc je vous les mets les deux. Donc une peut vous parler, ou les deux, hein. Gardez votre libre arbitre et peut-être que ces fleurs ne vous parleront pas du tout, hein, les Gémeaux. Mais j'en doute, j'en doute. Donc, mais encore une fois, faites ce que bon vous semble. Donc là, pour continuer cette guidance du mois de mai, les Gémeaux, je vais m'accompagner des cartes oracles des cartes de lumière, pardon, de Lise Bartoli. Allez. Oh, j'ai du mal aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a des fois comme ça. On va faire un petit mélange. Voilà. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Tout est juste, comme dirait Maud en Kawa, dans Kilomètre Zéro, un livre que je vous conseille, les amis Gémeaux. Si je vous en parle, c'est pas pour rien. Kilomètre Zéro de Maud en Kawa. Ouais, ben vraiment. Ben écoutez, on va prendre ces deux cartes qui ne se sont pas retournées. A priori, c'est les deux vôtres. Alors, première carte, transformation par la projection. On vous dit, devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Eh bien, pour créer votre futur, pour être acteur de votre vie, on vous dit, sortez de votre zone de confort par l'évasion. Évadez-vous,
Sortez de votre zone de confort. Et Agrimony et Beach vont vous y aider. D'accord? Projetez-vous à faire autre chose. Hein? Là, on voit si c'est le voyage, si c'est sauter en parachute. Vous voyez, l'évasion, là, c'est comme si c'était le fou hein, dans le tarot. Évadez-vous, sortez. OK? Et puis, en deuxième carte, on a Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc là, on vous dit que le chakra du cœur est votre meilleur guide en ce moment. D'accord? Si vous avez à méditer, n'hésitez pas à méditer sur votre chakra cœur. Parce que votre chakra cœur, c'est comme si c'était votre troisième œil. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, les amis. Donc, en carte de lumière, donc ce qui vraiment va vous aider pour votre transformation, les amis, c'est véritablement ce fou où on dit « le cœur a ses raisons que la raison ignore, donc écoute ton cœur ». Ok ? Donc, ça paraît être très, très important pour vous, les amis. Donc, et en dos de deck, parce que je pense que le dos de deck aussi est encore important, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre bon discernement. L'émotion qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, les amis Gémeaux, c'est la colère, les Gémeaux. C'est libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement, elle trouble votre cœur. D'accord ? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh bien, écoutez votre cœur, il dépassera la colère que vous pouvez avoir et vous, le cœur vous aidera à vous projeter vers la lumière. Ok ? Alors, maintenant, allons voir avec les cartes d'Anne Guéquier, l'oracle de la transformation, les amis, l'oracle de la métamorphose. Allons voir. Pour les amis Gémeaux, ce que les Gémeaux ont à entendre. Alors, première carte pour vous les Gémeaux, la vie. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes de secousse, je vis. D'accord ? On vous dit encore, sors de ta zone de confort, vis, apprends à vivre. Que ce soit des rires, des sourires, des larmes, des secousses, je vis, d'accord ? J'arrête de rester sur mes acquis, je vis, d'accord ? Donc, c'est vraiment ça, hein ? J'écoute mon cœur, je vis, le cœur a ses raisons, je répète que la raison ignore, ok ? Donc, c'est vraiment important pour vous d'aller au-delà de votre colère, au-delà de votre mental même et libérez-vous de cette colère intérieure, on vous dit, elle trouble votre discernement. Et voilà, et c'est ce qui vous aidera à aller vers votre chemin. Le divin, d'accord ? On vous dit, le divin n'existe pas, il est. Tu incarnes ça. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. D'accord ? Le divin est en nous, les amis. Vous n'avez pas besoin de vous demander qui est qui. Le divin, on est unité. D'accord ? On est 9 milliards sur Terre, mais on est tous en interconnexion, les amis. C'est vraiment une interconnexion entre le monde matière, la Terre, et le voile, d'accord ? Ce que j'appelle le voile, c'est l'univers, c'est ce qui résonne pour vous, ok ? Et là, on vous dit, j'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. C'est le cycle de la vie. Tout est impermanence, les amis. C'est ce qu'il faut entendre. Donc aujourd'hui, je sors de ma zone de confort, je vais voir un peu ce qui m'attend. C'est ça le cycle de la vie. C'est j'arrose mes journées et j'arrose ma journée de rire, de sourire, de larmes, de secousses. Je vis. C'est ça la vie. D'accord ? Voilà.
Et on va aller voir ensuite avec l'oracle intuitif, les Gémeaux, pour voir ce que cet oracle intuitif a à vous dire. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de mettre mon masque social, quand bien même je suis en colère, j'avance. Ok? J'avance, donc avec la fleur d'agrimonie, avec Beach. Ok? Allez. La loi de l'attraction, d'accord? J'attire ce que je vibre, j'attire ce que je ressens. Donc, si mon mental est... Faites attention à votre mental, parce que si vos pensées sont négatives, ben vous allez attirer du négatif. Il faut vibrer positive. Il faut vous évader, les amis. Il faut rire. Il faut vraiment éprouver du plaisir. Sortez. On vous demande vraiment de vous évader. On vous demande de sortir pour que la loi d'attraction, voyez, 8 et 1, 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. OK? On vous parle encore de cycle, les amis Gémeaux. Donc, c'est vraiment votre transformation. Votre transformation, c'est d'aller, c'est de dégager à l'extérieur, c'est de vous évader. OK? Pour aller à la rencontre de votre part divine. Et là, on vous dit, soyez attentif à vos ressentis, d'accord? Soyez attentif à vos ressentis du cœur, parce que c'est important pour vous. Le cœur, vraiment, va vous aider sur ce mois de mai. Et on vous dit, vos relations aussi sont importantes. C'est vos ressentis et vos relations qui vont vous amener à cette transition, à cette joie. Magnifique. Faites le tri. OK? Donc, ça, j'ai fait le tri, c'est-à-dire lâchez votre colère pour moi. Faites le tri. Lâchez votre colère pour avancer. OK? Donc, voilà, les amis Gémeaux, pour clore votre tirage de ce joli mois de mai, les amis Gémeaux, je vais regarder avec vous par le petit oracle de la guidance étoilée. On va aller voir comment clore votre tirage, les amis. Qu'avez-vous à recevoir comme message, les Gémeaux, pour vous évader pour ce mois de mai? Qu'avez-vous à, oupla, à entendre? Alors, on a un premier message qui s'est retourné et j'ai un deuxième message qui est là que je vais vous lire. Allez. On a, oh c'est magnifique, la mission de vie. Vous voyez, on parle de votre mission de vie, de la vie, du divin, des cycles. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. C'est en vous évadant, en sortant de votre zone de confort que vous les trouverez, vos talents, hein, votre mission de vie. Ils sauront t'orienter, donc c'est en les trouvant que tu sauras quoi faire, ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Bah écoutez, les amis, c'est marrant, hein, la vie, ta mission de vie est rayonne de mille feux. C'est quand même un truc de dingue, un truc de fou. Et oh, génial. Et là, loi de l'attraction ressentie, ton pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, pardon. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire avec la loi de l'attraction. Que vas-tu choisir? D'accord? Que vas-tu choisir? Écoute tes ressentis, d'accord? Lâche ton mental. Ton pouvoir est créateur, sache-le, hein, que ce soit des pensées positives ou des pensées négatives, ton pouvoir, c'est de créer ce que tu ressens. Donc, on te dit, qu'est-ce que tu choisis? OK? Donc, voilà les amis. Voilà les amis Gémeaux pour votre mois de mai, d'accord? Voilà tout ce couvre pour vous le mois de mai. On te dit, bah écoute, évade-toi pour avancer. Si tu veux créer ton chemin de vie, si tu veux vraiment
être dans cette projection de d'être acteur de ta vie, si tu veux créer ton futur, eh ben il va falloir en passer par le fait de sortir de ta zone de confort. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ce contenu vous aura plu. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous, les amis.